Présentement au musée Marius Barbeau. Je suis présentement avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre musée? Oui, le musée Marius Barbeau existe depuis 40 ans. C'est la seule infrastructure muséale dans la région de la Beauce, avec des expositions qui portent sur l'identité culturelle et le patrimoine de la Beauce. Donc, on essaie de faire en sorte que les visiteurs qui viennent au musée puissent avoir un aperçu de comment vivaient les gens au début du siècle et par les années précédentes, et puis voir un peu comment ils vivent encore maintenant. Pourriez-vous me parler un peu des types d'expositions qu'on peut retrouver ici? Oui, on a deux salles d'exposition permanentes. La première sur l'identité et le patrimoine de la Beauce, mythes et réalités, où là, on parle des premiers arrivants jusqu'à... On passe à travers l'architecture, la sériculture, la foresterie, la vie politique, l'entrepreneuriat. Donc, ça parle vraiment beaucoup des Beaucerons. Et une autre sur la céramique de Beauce, une entreprise qui a été florissante ici dans la côte, qui a été active jusqu'à la fin des années 80, où on voit la production qui s'est faite là-bas depuis la fin des années 30 jusqu'à fin 80. Et à part ça, on a deux salles d'exposition temporaires, ouverte à des projets d'exposition d'artistes de la Beauce, mais aussi d'artistes de l'extérieur. Donc, on parle de sculpture, peinture, photographie, art textile, tous les types, les moyens d'expression possibles. Et comment ça fonctionne pour justement les artistes d'ici, s'ils veulent exposer leur œuvre, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. À tous les automnes, on lance un appel de dossier, donc avec un certain nombre d'éléments à transmettre. Et on reçoit des dossiers d'artistes d'ici, de l'extérieur, donc ça peut aller jusqu'à 50, 60, 70 dossiers. Et il y a un comité de sélection qui statue pour choisir les œuvres pour l'année qui s'en vient. En ce moment, on est la programmation est bouclée jusqu'en 2022. Et à qui ça s'adresse, votre musée? Qui sont les clients que vous voulez voir venir? Bien, je dirais mon souhait le plus cher, je suis en poste depuis juillet dernier, de faire en sorte que les gens de la région viennent ici. Je dis que c'est un musée vivant dans la communauté. Je veux que ce soit les jeunes, les moins jeunes qui viennent faire leur petite tournée quelques fois par année. Mais on est aussi ouvert évidemment aux visiteurs de passage. Donc, on est sur la route vers les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui passent. Québec, c'est à côté. Donc, ouvert au grand public. Venez faire un tour, c'est magnifique. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde peut trouver son compte. Oui. D'être un public initié, l'important c'est d'avoir le goût de venir dans un musée. Musée, voir de l'art, voir, écouter l'histoire. Donc, tout le monde est bienvenu. Parfait. Est-ce qu'il y a des guides un peu pour se faire expliquer l'art qu'on peut voir, comment ça fonctionne? Oui, il y a toujours une équipe à l'interne qui sommes là, soit pour des visites guidées ou vous assister dans votre visite individuelle. Donc, on est là pour vous donner des pistes. On peut vous accompagner aussi tout le long de la visite, comme vous souhaitez. Et est-ce que ça fonctionne sous réservation? Non, le musée est ouvert pendant l'été 7 jours sur 7, donc du dimanche au samedi, et pendant la basse saison à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin suivant, c'est 5 jours semaine. Donc, vous pouvez vous présenter et puis suivre l'horaire selon le site Internet. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Comment on fait pour vous rejoindre? Donc, vous pouvez nous rejoindre, si vous avez des demandes, des messages à nous envoyer, vous pouvez le faire par animationmuseemariusbarbeau.com ou par téléphone au 418-397-4039. Sinon, par le site Internet www.museemariusbarbeau.com. Parfait, merci beaucoup.